Un nouveau complexe de 6 blocs opératoires voit le jour à l'hôpital Condos. Ce projet financé par le gouvernement chinois coûtait 560 millions de roupies. Il comprend également une centaine de lits. Le ministre de la Santé, Anil Gayan, ainsi que le ministre du Tourisme, Xavier Luc Duval, ont procédé ce matin à son inauguration. Anil Gayan en parle au micro d'Élodie Domon. Anil Gayan qui annonce également d'autres développements à l'hôpital Victoria. Les vieux bâtiments qui se trouvent dans son enceinte seront détruits. À la raison, ils ne sont plus appropriés pour la médecine. Les précisions d'Anil Gayan au micro d'Elodie Domon. Tout le monde qui connaît l'hôpital Condos connaît qu'il y a un bâtiment qui date de très longtemps, qui allait en eau et qui n'est pas approprié pour la médecine qu'on connaît aujourd'hui. Je vais penser de faire un développement majeur à l'hôpital Condos. Détruire tout le bâtiment là et construire un bâtiment moderne pour le pays.